في حلقة بوتيك لليوم ندخل عالم النكهة السرية لرغيف تحول إلى لوحات فنية ولا زال مقصداً للشغوفين بخبز الفلاحين الفرنسيين. وفي بروكسل ندخل إلى بوتيك دوغريف صانع المجوهرات والساعات الذي لم تتوقف عقارب ساعته عن الدوران منذ قرن ونصف من الزمن. ومن مدينة بايون في إقليم الباسك الأسلوب اليدوي لصناعة الشوكولا. سلفادور دالي وقصته المثيرة مع مخبز بوالان زادت من شهرة هذا البوتيك العريق. On est une entreprise familiale dans tous les sens du terme. Alors, je suis avec ma sœur la troisième génération de Poilane, mais on a aussi des personnes qui travaillent de père en fils. لا زال رغيف الإخوة بوالان يخبز بنكهته التي كانت قبل 100 عام. تمر الأزمنة، يتغير الحي، يتغير الناس، ويبقى الطلب على هذا الرغيف يحظى بشغف صانعه ومشتريه. C'est un pain qu'on partage. Le mot copain, ça veut dire la personne avec laquelle on partage le pain. Alors, ce pain, par sa taille, par sa forme, en est le reflet. Lorsque mon grand-père s'installe dans les années 30, rue du Cherche-Midi, la mode est au pain blanc, la baguette, parce que c'est une importation viennoise de la fin du 19e siècle, c'est le pain à la mode. Il venait de Normandie et il connaissait ce pain que vous avez devant vous. Ce sont des grosses miches de pain au levain qui pèsent à peu près 2 kilos et qui était le pain qui était consommé dans les campagnes, qui était fait pour durer et pour vraiment sustenter les gens qui allaient travailler toute la journée dans les champs, dans la campagne normande où il habitait. Pierre Poilan, oui, je peux dire un petit mot, j'ai connu quelques années, puisque je suis rentré en 81, et donc Pierre Poilan nous a quittés en 93. C'était un homme, un boulanger, un patron, quelqu'un qui savait faire travailler, mais qui savait récompenser, qui savait, je pense, parler aux hommes, quoi. J'ai repris l'entreprise en 2002, suite au décès de mes parents, et ma sœur m'accompagne depuis sa majorité. J'ai passé beaucoup de mercredis et de samedis après-midi dans le fourni. Je faisais tantôt des petits sablés, tantôt des petits pains, et j'ai appris petit à petit, comme ça, les arcanes de mon métier. Le pain, c'est quelque chose qui s'engendre de génération en génération de pain, à l'image de notre levain. Et on a comme ça des collaborateurs, des compagnons qui travaillent dans la maison depuis plus de 30 ans et qui ont la passion du pain, qui ont connu mon grand-père, qui ont connu mon père, qui travaillent avec moi aujourd'hui. Et c'est le cas de mon maître boulanger, Pascal.
J'aime mon métier. Tous les matins, j'ai pas. Voilà, ça m'embête pas de me lever, d'aller au travail. Ce qui me plaît aussi dans la maison, c'est qu'on peut apprendre aux gens aussi. Et puis bon, c'est malgré tout une maison familiale, donc on s'y sent bien. Et c'est très vite en fait devenu un lieu commun pour les artistes de Saint-Germain-des-Prés qui échangeaient du pain contre des peintures à une époque où ils ne pouvaient plus payer leur loyer. Il y a aussi le lustre que mon papa a fait pour Salvador Dali dans les années 70. L'artiste espagnol voulait savoir s'il avait des souris chez lui. Donc il a fait faire par mon papa tout un mobilier en pain. Alors il y a le chandelier que l'on refait au fur et à mesure qu'il se désintègre. Le pain, c'est une matière vivante. نفس هذا العمل يتكرر في نفس هذا المكان منذ 100 عام. قبل باسكال وجان لوك كان خبازون آخرون، ولكنهم توارثوا الأسلوب والأدوات واسما واكب أجيالا من الفرنسيين. J'adore le pain. Je pourrais manger un pain poilane, je pourrais très bien en manger un quart, pas une miche de pain par jour, mais un quart de pain. J'adore la croûte, j'adore la mie. Bon, il y a un autre truc que j'adore bien, c'est pouvoir tremper la mie dans la sauce. Voilà ce que j'aime du pain. Et non seulement ça, c'est un pain qui se conserve. Donc l'avantage, vous pouvez oublier votre pain le lendemain, vous ne serez pas déçu de le retrouver le lendemain, le surlendemain. Vous avez toujours plaisir, même voir au-delà de 2 jours, 3 jours, 4 jours. Pour moi, personnellement, il en est même meilleur. Aussi beau soit notre métier, ça reste un métier où il faut avoir une véritable passion pour ce que l'on fait. Et si lorsqu'on façonne les miches, on n'est pas rempli de cette plénitude que peut donner la fabrication du pain, ça ne sert à rien de rentrer dedans. بعد الفاصل. Et je dirais, nous, on a un petit peu balancé, c'est-à-dire que nous, on est un peu plus commerçant, un peu moins ingénieur, mais lui était quelqu'un de très ingénieur. مجوهرات دو غريف مرجع في التصميم تستمد من تاريخها قوة الاستمرار عبر تصاميم تجذب أصحاب الجيوب المليئة. الجلوس إلى طاولة الرسم لإكمال تجربة عمرها 160 عاماً كمن يستمد طاقة أجيال سابقة ويستوحي شغف أجيال قادمة ليبقى مؤثراً في مجتمعه. Donc ici, donc à la maison de Greff, nous sommes joaillier horloger depuis 1848 au centre de la ville de Bruxelles. Mon frère et moi-même sommes donc la 6e génération à représenter le monde de la joaillerie et de l'horlogerie. Un père qui était beaucoup plus ingénieur que commerçant. Et je dirais, nous, on a un petit peu balancé, c'est-à-dire que nous, on est un peu plus commerçant, un peu moins ingénieur. Mais lui était quelqu'un de très ingénieur. Et quelque part, indirectement, je crois qu'il nous a un petit peu insoufflé, je dirais, cette passion pour la belle mécanique, pour les belles choses. La première génération, qui est donc Prosper de Greef, a fondé la maison avec son frère. Ensuite, il a continué tout seul. Il n'y a eu qu'une seule fille qui s'est mariée avec un monsieur Léon Dubuc, qui lui aussi qu'une seule fille, et qui s'est finalement mariée avec un Whitman. Et depuis lors,
Nous avons toujours été donc des Whitman au sein de la maison de Greffe. Je crois que l'entité, mais c'est sûr qu'il y a la relation familiale, il y a la famille qui est très importante, mais si nous avons fait ce que nous avons fait, ce n'est pas du tout la famille. Je crois que c'est surtout en fait les deux caractères. Je crois que c'est ça qui est le plus important. C'est en fait, on est plutôt basé vers le futur que vers le passé. Et ça, c'est très important. Je crois que mon frère, sa bijouterie, ses projets sont vraiment très intéressants. On en parle beaucoup, tous les deux derrière. Et aussi, même chose, je dirais pour moi, au niveau de l'horlogerie, c'est un projet, c'est de la passion, c'est très personnel, mais on le fait parce qu'on a envie de le faire. On ne le fait pas parce qu'il y a une famille derrière, on le fait vraiment par passion, et je crois que c'est le plus important. Donc lorsqu'on prend, je dirais, une des bagues, je dirais, qui a fortement évolué dans la collection que j'ai créée, donc c'est une, la bague, justement la bague Saturne, qui est une bague un peu particulière dans le sens où elle a commencé il y a plus ou moins une quinzaine d'années, lorsque j'ai commencé vraiment à dessiner des bijoux pour le magasin. La bague a débuté par rapport à un bijou que je voulais d'une part donc architecturale, donc qui est le côté sculptural, le côté de le fait qu'on puisse vraiment admirer la bague dans tous les sens. Il y a toujours un côté intéressant. تصاميم لا تخرج من تاريخها الكلاسيكي بل تطوره وتحتفل بالماس كرفيق دائم لمجوهرات دار دو غريف. Ça fait 30 ans. J'ai 30 ans de métier. Ah non, j'ai plus que ça. J'ai donc 6 ans d'études. J'ai commencé à 21 ans. J'en ai 65 quasi. Donc ça fait quand même 40 ans, je crois. Bon, je prends la montre, c'est comme si c'était ma montre, moi. Je ne prends pas la montre comme si c'était un client. Le prix, ça importe peu. Je prends la montre, je la répare comme si c'était la mienne. Voyez-vous ? Voilà. Vous êtes fournisseur de la cour ou pas ? Oui. C'est pour qui que vous faites ? On a fait quelques créations pour certaines personnes, en effet, de la famille royale. Ils sont donc clients chez nous depuis facilement 2-3 générations, et surtout dans le domaine de l'horlogerie, parce qu'ils aiment bien donc les belles montres, et alors quelques créations que j'ai fait au niveau bijoux. En Belgique, et je dirais même au travers le monde, nous avons une clientèle très avertie. Je dirais que quand on discute avec ces gens, il faut vraiment connaître le produit, mais non seulement le produit que nous vendons, mais aussi en fait la concurrence. بعد الفاصل. Connaissait la façon de faire, c'est-à-dire la façon d'écraser le chocolat, la façon de mélanger les épices, tout ça. Il y avait que c'était un secret, c'était tenu secret.
عندما كانت الشوكولا حكراً على الأثرياء والمتنفذين، كانت دارانادز تكتب قصة نجاح عمرها عشرات السنين. بيوم، المدينة التي يحاول ناسها التأكيد على هويتهم، تستقبل السواح والأقارب المقيمين في مدن أخرى من إقليم الباسك بترحاب، وشوكولا يستلهم أسلوباً عمره 140 عاماً. كورتيز، هرنان كورتيز و موكتيزوما. موكتيزوما a été le premier, disons, à faire offrande à Cortés de fèves de chocolat. Savoir que les fèves de chocolat à l'époque étaient considérées comme une grande, grande richesse. Et quand il a vu Cortés arriver avec ses grands bateaux, il a cru que c'était un dieu. Et pour lui, eh bien, il a donné ce qu'il avait de meilleur, c'est-à-dire des fèves de chocolat. Et c'est en 1905 que ce magasin a été créé. Et il en reste les vitrines avec leur galbe et leur cuivre travaillé. Et il en reste la géographie générale du magasin qui a été refait en 1980, mais à l'identique. La maison a été créée par des frères d'Aranatz. La famille d'Aranatz est une vieille famille basque qui a pour origine le village d'Espelette. Et qui, dans les années 1890, a créé à Bayonne d'abord une biscuiterie de la pâte d'amande, et qui est une recette qui a été initiée par les frères d'Aranatz, qui n'a jamais bougé, non seulement dans la confection de la pâte d'amande, mais aussi dans ce que nous en faisons après. Des amandes, du sucre et un peu d'eau. L'eau, c'est le petit secret. Pas trop en mettre, et on passe tout ça dans la broyeuse. Il y a une machine qui est aussi ancienne que la maison. Et on passe ça plusieurs fois jusqu'à obtenir une pâte fine. La spécialité créée par les frères d'Aranatz, c'est ce que nous appelons les petits fours au tourons. C'est également un des produits émotionnels et attachés à la tradition. Pendant très longtemps, c'est le cadeau que l'on offrait aux jeunes femmes qui venaient d'accoucher. سيرة الشوكولا وسمعتها تستمر باستعمال الأيدي في مزج المكونات. Donc la ganache, mais quand il la faisait, vous avez vu comment on faisait, et il a travaillé aussi à la main. Mais c'est important parce que on ressent la matière, c'est à ce moment où on ressent bien la matière. Donc le travail à la main, c'est à ce moment-là où on va donner toute la souplesse à la ganache. دينيس الذي ألف العمل في دارانادز لم يكتفي بشغف الصناعة، بل جسد قصة من أدخل الشوكولا إلى بلاده. À savoir que la façon de faire le chocolat était un secret. Et il n'y avait que les gens d'église et les juifs, portugais essentiellement, et d'Espagne, qui connaissaient la façon de faire, c'est-à-dire la façon d'écraser le chocolat, la façon de mélanger les épices, tout ça. Il n'y avait que, c'était un secret, c'était tenu secret. Comme ils détenaient ce secret de fabrication du chocolat, ils avaient l'autorisation, entre le lever et le coucher du soleil, de traverser le seul pont qu'il y avait à Bayonne à l'époque, et d'aller chez les riches bourgeois pour leur faire du chocolat à boire. Donc, ils se promenaient avec leur petite charrette, leur petite pierre à chocolat et leur gruyère. Et ils allaient faire, comme le faisait le chocolatier en bas, ils allaient faire le chocolat à boire. Thank you.
بحلول العام 1930 وجدت عائلة دراناتس نفسها مجبرة للتخلي عن الدكان لأن الورثاء لم يكن لديهم الشغف. La grand-mère de ma femme s'est installée ici en 1930, qu'elle s'est installée, qu'elle a travaillé avec ses deux filles, son mari, plus des employés, et qu'elle est restée pendant 50 ans derrière sa caisse pour accueillir les clients, pour les servir, et qu'elle avait à côté d'elle une petite chaise sur laquelle venaient s'asseoir ses bonnes amies avec elle, elle papotait, parce qu'elle disait « le magasin, c'est mon salon ». Donc cette histoire du chocolat est très ancienne, très ancrée dans la ville. Elle s'est beaucoup développée à la fin du 19e où il y avait à l'époque plus d'une trentaine de chocolateries à travers Bayonne. Et où il y avait, vers les années 1880, davantage d'ouvriers chocolatiers à Bayonne que dans toute la Suisse.